Aujourd'hui, depuis combien de temps vous vivez sans sexualité, Patrick euh, 13 ans. 13 ans. Euh, ça ne vous manque pas Pas du tout. Pas du tout. Vous avez été marié combien de fois, Patrick Trois fois. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez déjà le discours de Sylvia, qui aujourd'hui recherche, rechercherait un compagnon des câlins de la douceur sans sexualité Je n'ai pas du tout la, la même opinion des hommes, c'est ballot pour Évidemment, notre histoire de rencontre. je pense qu'il y a des tas d'hommes qui sont bons, gentils, aimants et, oui. et qui ne sont, sont pas tous des salauds. Euh, personnellement, je, je n'ai pas de subordination à, comme euh, Mathieu, Mathieu. À, à, à son engagement dans la foi. Euh, je peux faire ce que je veux de ma vie. Mais quand j'ai divorcé, j'avais mes filles et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix, j'ai dit j'arrête. J'arrête, j'ai été mariée trois fois, ça s'est bien passé. J'ai connu le bonheur, j'ai connu l'orgasme, j'ai connu tout ce qu'on doit connaître dans un mariage qui est réussi. Il n'empêche que j'ai divorcé. Peut-être que je n'étais pas fait pour être mariée. Et j'ai décidé, je vais me consacrer uniquement à mes filles. Je ne vais pas apporter une tierce personne qui va se placer entre mes filles et moi oui, et m'empêcher de donner à mes filles tout l'amour que j'ai envie mmh. de leur donner. Alors, ça, c'est autre chose, mais elles ont quel âge, vos filles elles ont 15 et 18 ans. Donc elles sont encore jeunes. À un moment, elles vont s'envoler, vos filles. Elles vont faire leur Bien propre sûr. vie. Est-ce que ce qui est très étonnant dans ce que j'entends, c'est j'ai fait le choix Là, j'entends surtout j'ai fait le choix, en effet, de ne mettre personne entre mes filles et moi. J'ai divorcé, c'était ma priorité. Néanmoins, vous êtes vraiment. On se lève un matin et on se dit je renonce à l'amour, qu'il soit amoureux, amoureux, qu'il soit amoureux même physique. C'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est vraiment un choix. J'ai dit, c'est j'arrête, j'arrête parce que j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui soit mort euh, de ne pas avoir euh, éjaculé. Euh, donc c'est pas une nécessité, c'est -ce... une fonction organique dont l'homme peut se passer toute sa vie. Le, c est, c est, c est Laure, vous me disiez que vous aviez une sexualité épanouie hein, avec vos trois femmes. Oui, tout à fait. Vous avez connu l'orgasme Bien sûr. Et cet orgasme-là, je suis basique, hein, ne vous manque pas Pas du tout. Mais alors pas du tout. Le, je, trouve, je, trouve, je trouve tellement de bonheur dans mes filles, elles me donnent tellement en plus. Oui, oui, oui. La, la, la cadette est trisomique, donc c'est une machine à distribuer du bonheur, bien qu'elle soit très têtue. Donc vous avez compensé l'amour amoureux par l'amour paternel Ah, tout à fait. Ah ouais je, euh, euh, Mais ça a toujours été comme ça. Euh, j'ai deux grands-enfants, j'ai deux, deux quadrats de mon deuxième mariage. Quand ils étaient petits, je leur, je leur ai aussi tout donné. Je devais être mmh. le seul papa qui allait chercher sa fille à la sortie de la fac de droit euh, ou Alors, son fils. Est-ce que, comme Mathieu, vous tombez parfois amoureux Alors, quand j'étais très jeune, on m'appelait Robert. On vous appelait quoi Robert, vous connaissez Robert, l'amoureux. Oui, ah d'accord, très bien, je n'y étais pas. Étais pas. <laughs> voilà, donc c'était mentionnant. Je, je tombe amoureux toutes les cinq minutes. Ah ouais Oui. Hier, j'ai voyagé, j'étais dans le train. Il y avait une jeune femme qui était assise en face de moi, euh, euh, qui correspondait à tout ce que j'aime chez une femme. Elle était jolie, elle était rousse, elle avait des jolies dents, elle avait des jolies mains. C'était le bonheur absolu. Je suis tombé amoureux pendant quatre heures de voyage. Je suis descendu du train. Si je la croise dans le studio, je la reconnaîtrai pas. Voilà, c'est. Sérieux Ben ouais. Vous n'avez pas eu envie de, 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 de l'aborder Pas de... du tout. Mais ça, je ne sais pas faire. Donc, c'est-à-dire, c'est une porte qu'on ouvre à un sentiment amoureux et on arrive à la refermer aussi vite. Bien sûr. Mais je ne sais pas faire. Je sais. je suis... Peut-être que j'ai un problème avec les femmes. Euh, je ne sais, sais pas les aborder. J ai, j ai, alors, comment... Alors, attendez, on va terminer sur Israël, mais j'ai une question intime. Vous me permettez de vous poser la question. Est-ce que dans vos rêves, vous faites l'amour Alors, dans mes rêves, je fais l'amour, mais uniquement avec ma première épouse. Alors là, vous m'expliquez. Pas, pas, pas avec les deux autres. Quelle, est ben, avec, euh, quelle a été l'histoire de la fin de cette histoire avec votre épouse ben, On, on s'est mariés très jeune. Oui, c'était mon grand amour. Et ça reste, et ça reste, reste grand votre grand amour. amour. Et c'est vrai que si j'ai des rêves... Euh, euh, Érotiques érotique, ou intimes Voilà. Il ne se passe qu'avec elle. À une époque. Ah oui. et, mais il se passe euh, euh, quand on a 20 ans. Voilà, je l'ai pas revue depuis très très longtemps. Elle a refait sa vie. Euh, oui, elle a refait sa vie. Elle a eu un enfant, mais pas de mari. J'ai eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps. Et elle, si elle revenait en amour de vous, est-ce que vous ouvriez, réouvririez la J'y arriverai jamais. Est-ce que vous pourriez <laughs> rouvrir à nouveau la porte d'une histoire d'amour Je le crois. Ah bah alors c'est ça le sujet. Il est là le sujet, Patrick. C'est que. Je, je le pense. Oui, mais je le pense, mais je. Vous n'avez que... pas digéré cette séparation. Non. Vous êtes encore amoureux d'elle. Oui. Donc vous préservez pour cet amour euh, que vous aimez encore. Elle va le savoir là. Hein? Oh, je sais pas si elle à la télé. Croyez-moi, elle va le savoir. Il <laughs> y a toujours des bonnes âmes qui vont dire Attends, t'as pas vu Patrick à la télé Non, mais je, je l'ai revu. Hein, je l'ai revu. On s'est croisés par hasard. Eh ben, elle est là. Non, je plaisante. <laughs> on s'est croisés par hasard longtemps après avoir divorcé, et puis on s'est dit bonjour. Ça s'est arrêté là. Et puis, on s'est recroisé quelques temps après. Elle dit, c'est quand même trop bête. On a quand même vécu une histoire d'amour. On s'est marié. Euh, ça serait donc, bien qu'on se revoie. Donc, elle, si elle a été à nouveau amoureuse de vous et qu'elle voulait refaire l'amour avec vous, là, vous pourriez vous rouvrir à cette sexualité Alors, la question est... J'ai 73 ans. Euh, Est-ce que je peux ouais, encore Oui, je pense que ça marche encore. Ah oui, ça marche ans. encore. Ouais, ouais, je ouais. pense que ça marche encore.